amis, c'est GL2, Edge of Noobs, et bienvenue dans la suite des aventures du Sultanat Impérial. Alors, qu'est-ce qu'on a là tout de suite? Donc, je lis vos commentaires à l'épisode où on parle... il fait quoi, lui? À l'épisode où on parle, je viens de mettre l'épisode 9, Real Politique. Donc, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu des commentaires que j'ai pu apercevoir, avant de commencer à critiquer, parce que oui, en effet, je ne suis pas tous vos conseils, et je n'ai même pas réussi à envahir une planète. Donc, a priori, il y a un petit clic droit, si je fais ça, et il y a un truc genre là, et après, je fais soldat, d'accord, ok, un truc comme ça. Donc, ça, j'aime pas trop les mondes qui sont en périphérie. Mais bon, là, pour le moment, on est plutôt bien, on est juste à plus 1, c'est quoi ce bordel? Mais 17% d'impôts. Allez, on va se mettre bien. On va pas déconner avec ça. Exed, donc c'en est où là? Ah oui, j'ai mon Nevada classe. 5 étoiles, motherfucker! Indique le niveau d'expérience. 5 étoiles. À chaque gain de niveau, un bonus de 5% sur les cartes. Taux de réparation, vitesse de rotation. Et là, il vient de récupérer. Là, il est en train d'être réapprovisionné. Ok. Ils sont tous en train d'être réapprovisionnés. C'est bien. Donc, ça, c'est. C'est quoi ça? C'est la première flotte? Ah mais là il en manque plein là. Ok. Voilà, ça c'est la première flotte. Restez autour de cette planète, de toute façon c'est ici que ça va se passer. Ici qu'est-ce qu'on a? Importer. Ouais non, j'aime pas hein, gérer moi-même indifféremment. Ouais, bon, c'est un peu la merde cette planète, elle ne me servira à rien. Ouh! Donc, il nous faut avant tout énergie. Il faut que je trouve le moyen physique. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Réacteur antimatière, voilà, c'est ça. Puis après, on balance. Aucun problème. Donc, nos espions, on en était là. Incitation à la rébellion chez les Wolfens, peut-être pas une bonne idée. En attendant, on va entraîner tous nos agents. Ok. Donc là, on est plutôt bien parti. Dion, ah oui, seconde Terra. Donc là, ils sont plutôt bien. 3 Marines, 11,6. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bah, c'est toi qui as l'honneur de fabriquer le premier... 3 heures de classe sultane. Voilà. Et il sortira des chantiers spatiaux de seconde Terra. D'ailleurs, il va falloir que je fasse quelque chose. Cet endroit est pas mal. Il va falloir le capturer as soon as possible. Donc, la première flotte. Qui est ici. On va aller là. Ok. Ici. Ici, il faut que la population soit capable de se défendre quand même. Ça, on est un peu sur une zone de front, donc on va augmenter un petit peu les effectifs. Ok, ouais, il n'y a pas moyen de monter un peu là. Ouais, non, c'est nul. Ok. Quelque chose comme ça. Ça me paraît bien. Non. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Donc la première flotte est là. Et Phoenix. Donc Phoenix. Donc là j'augmente les effectifs. Puis on va faire quand même quelques chasseurs. Ok. Ok, donc là on sera bien. Agnor, comment ça se passe sur Amazon? Ok, donc ils sont tous contents a priori. Diplomatie. Go. 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 Ok. On va voir si cette incitation à la rébellion va marcher. Non, c'est pas ça le monde de mer, c'est ici, sur Drail.
On y va, go. Donc ce qui est bien, c'est que pour le moment, on essaye de garder une économie à peu près florissante, sans trop heurter, enfin, tout en gardant une armée à peu près compétente, bien que limitée. Bon, le sultan de classe, il avance bien là. Ok. Ok. Donc là, on est plutôt carrément bien en fait. Puis je demanderai, c'est quoi? Suffolk. Alors, empire, c'est pas ça, je m'en fous. Chantier spatial non plus. C'est diplomatie. Diplomatie avec le Drylog Conseil. Contactez, ils nous aiment bien. Ouais, je veux gagner, c'est pour ça que je te déclare la guerre. Allez, tu vas avoir une sale surprise. Ouais, il faut que je reprenne Suffolk. Mais personne, qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est la guerre, attaque! On s'arrive à quelque chose contre un Nevada Glass. Sur Dion, on nous attend normalement sur Second Terra, nous attend le Sultan Class. Bon, c'est bien, on a vidé un petit peu les effectifs. Et là maintenant, on va lui demander contacter, négocier colonie, on veut Suffolk. Menaçant. Sont proches d'une capitulation et nous ne les acceptons pas. D'accord, ok, tu veux jouer au con. C'est parti, c'est parfait. Ok. Ah, il reste que le vaisseau. Il reste que le Viking? Le sultan a claqué? What the fuck? Bah, c'est bien, ça va augmenter un petit peu la. Bon, le sultan de classe est là. Ok, nickel. Vaisseau. Donc c'est parti, on va faire les nouvelles frégates. Comment, les Tyrann Class, voilà. Ok, on va recréer une armée sur Second Terra qui est très bien disposée. Pendant ce temps, sur Origine. Il y a des Vikings là, qu'est-ce que fout un Viking ici, putain. Ok, Viking, on va retourner sur le front, sur Phoenix. Sur Phoenix, on va se créer plein de types chasseurs. Il faut recréer la première flotte, il n'y a pas à chier. Voilà. Voilà. J'en veux encore ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur Suffolk? First fleet, ok, en attendant, là. Sultan class, ok. Oh putain, on nous a volé une techno. Ok.
La 9e flotte, en attendant, on va la foutre sur Origins. Pour dissocier ce qu'on est en train de créer en ce moment. Ok. Et ici, on va se faire des Tyrann class. On en faut deux nouveaux au moins. Ok. Les deux Tyrann class, on va les amener sur Second Terra. Ah ouais, la First Fleet, elle a pris cher, hein. Elle a été détruite complètement. Ici, ça en est où? Cargo, tout le reste, c'est des chasseurs. Parfait. Ok, si tu veux, je m'en fous. Ici, il nous faut Tyrann class. Voilà, parfait. On va faire plus de chasseurs. Est-ce qu'on fait un deuxième Sultan class? Je sais pas. Le Nevada class a échoué. Ici, il nous faut plus de Marines. Je veux pas avoir de problème. Voilà. Bon, ils arrivent bientôt là, mes navires. Ok, parfait. Et on va revenir sur Drell pour leur expliquer qui c'est le patron. La Phoenix, comment ça se passe? Ok, ça a l'air plutôt bien. Ok. On est en train de refaire la première force. Voilà. Maintenant, on va peut-être expliquer à ces enfoirés. On va attaquer ici d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, cool. Par contre, j'ai pas compris pourquoi mes troupes peuvent pas partir ici. Ok, nickel. Ici, on a encore des chasseurs, non? Et là, il va falloir expliquer au Drylock que ça ne marche pas comme ça. Bon, on va voir ce que vaut les Sultan Class. Hein. Normalement, ils sont ultra puissants. Arzid, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va leur exiger donc. Drylock, ok, ils veulent jouer au con. Donc Arzid 5. Et Omea 1. Et avec Sulfoc, ok. Cette fois, on les attaque comme des enfoirés. Oh putain. C'est pas grave parce que nous on est plus près de chez eux là. Merde, y'a personne. Ok, y'a personne. Ok, go. On fait demi-tour. Putain, mais d'où y'a personne quoi? Là il va négocier maintenant. Pourquoi il se laisse faire lui? Ok, il s'est fait exploser. Sultan class,
Motherfucker. Ouh, ça c'est les canons à plasma pour protéger le moteur. Tire une classe. Ouais, ils sont fragiles, mais... Ok, donc ça se passe plutôt bien. On va voir s'ils sont prêts à négocier. Putain, ils m'ont encore tué un mec, cet enfoiré. Donc je veux Suffolk, Anumea et Arzin, enfoiré. Menaçant. Ok, vous voulez jouer au con, on va recruter des Marines. Sur second Terra. Alors, sans le Sancta Terra, cette fois on va faire une invasion de Marines. J'ai pas terminé. Marines qu'on va envoyer ici. On va voir ce qui se passe ici. D'accord. Ok, en attendant ici, ça se paraît pas mal. Suffolk, c'est la merde. Ici, la première flotte est bien. On va aller sur Phoenix. Ok, malheureusement les sultans classes ont peu de... On va faire notre premier assaut planétaire, bordel de merde. Pourquoi j'en ai que 3 là? C'est pas des soldats ça? Si, c'est des soldats. Allez, pétez-moi ces enfoirés. Ça va redevenir à nous. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'ici ça recharge? Comment ça se passe? Ok, ils sont tous rechargés. Et ben on va revenir sur Drell. Pour voir s'il y a quelque chose. Bon, Arzid, c'est terminé là, non? Ok, Arzid est à nous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les sultans de classe, les petites mitrailleuses. Putain, mais c'est pas. Il
Voilà. Bon, c'est le bon moment maintenant pour... Ici, on est plutôt pas mal. On va rester chez nous maintenant. Retour à Phoenix. J'ai perdu tous mes chasseurs, c'est pas cool. Mais diplomatie, est-ce que t'es prêt à parler? Ok, t'es pas prêt à parler, c'est pas grave. On va faire plus de Marines. Putain, mais y a personne ici, c'est quoi ce bordel? Inacceptable. Ah, mais non, mais ça c'est Horizons 1, d'accord. D'intérêt là. Il n'y a pas masse de Marines non plus. Hein. Ok. Donc. On est en guerre avec les Dreadlocks. Donc maintenant on va arrêter de tenter quelque chose. Il se passe quoi là sur Agonera? Putain mais. Il se passe rien. Ok. Par contre ce qui est mal c'est Aomea. Et cette fois il nous faut Seconde Terra. T'as 130 de production, ça tu tombes bien. Est-ce qu'on va faire un raid? Ça c'est pas mal. On va les laisser approcher. Tranquillou. En attendant, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Avec ça, peut-être ma gueule. Ah, il faut qu'ils soient assez près. On va les laisser approcher. Ok. Ah, ça me paraît pas mal. Ok. Là, ça devrait suffire ici. Fausse ville là-haut. On va continuer la production abusive de soldats. Ok. La première flotte. Elle s'en sort bien. On incorpore ça. Voilà. Ok, on est bien là. Là, les amis. Putain. Production en rush. Ouais, rush, on s'en fout. Et je comprends pas. Là. Je devrais avoir quand même pas mal de mecs en défense. Allez, go. On va. Nécessite bien plus d'agents a priori. Ok, ils sont tous en formation. Bon, ils sont sans nous là. Ben, voilà. Omea System, ouais. C'est too bad for you, j'ai envie de dire. Ok. Donc là on est bien. Un poste, ok, importé. Voilà. On va le laisser faire ce qu'il veut. On va récupérer les Marines. On va les amener sur... Seconde Terra, excusez-moi.
continue à produire ici. Sur Terra, où ça en est? Donc là, on est toujours avec les dry logs, c'est un problème. Hein? Ah, mais oui, je suis jamais au bon endroit, putain. Vous allez, comme je l'ai dit, ici. Vous allez là. Ok. Et sur Santa Terra. Ok, il y a du monde. Ok. On peut leur en donner 6 au moins. Et là. Oh putain, il y en a un qui a pas réussi à faire. Tous sur second terrain. Ok, les réacteurs antimatière, on va pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Ok, donc là on est bien. Oh putain, il y a du lourd là sur Suffolk. Tu vois que ça va pas être facile à prendre. Bon, déjà on va aller sur... On va faire ça. Y'a quoi là? J'ai vu un putain de navire. Non, c'est bon. Un ancien Viking classe B, c'est bien ça.